Ok, let's go. Killman ? Alors la grande question qui revient à chaque fois, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bah depuis que j'ai arrêté le live, je m'en souviens plus. À chaque fois j'ai une perte de mémoire, c'est incroyable. Alors, ah mais vous m'avez manqué aussi Matisse. Alors, journal de Sébastien Castellanos, 1er septembre 2012. Mira est partie. Cela fait plusieurs jours qu'elle n'a pas donné de nouvelles. J'ai signalé sa disparition, mais on ne m'a pas pris au sérieux. Manque également sa voiture, son ordinateur et une partie de ses affaires. Rien n'indique que ce soit un enlèvement. Tout le monde estime qu'elle m'a quitté. Il ne parle pas de moi, soi-disant alcoolisme, qui serait lié à sa disparition, sauf... J'ai la conviction qu'il s'est passé autre chose. Quelqu'un l'a enlevée. Elle était sur le point de découvrir quelque chose, mais quoi? D'accord, donc on aurait enlevé la femme de Castellanos. Et les gens autour de lui pensent qu'elle l'a quitté car il buvait beaucoup après avoir appris la mort de sa fille, donc dans un incendie. Chez sa nounou, très bien. Allez Joseph, let's go. Vite, trouve un moyen de descendre. Trouve un moyen de descendre. Bah on saute, non? C'est pas très haut là. Si? Merde. Bon bah go descendre. C'est quoi ça? De l'acide? Oh là. J'ai vu quelqu'un. Putain, faut que je me réhabitue au jeu, je suis désolé. J'ai carrément oublié comment jouer. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? C'est bon? Est-ce que je peux passer du coup? Je pense que ouais. Ah. Bon sang. Qu'est-ce qui a pu faire autant de dégâts? C'est une rame de métro qui sort du sol? Ouais, mais regarde comment elle est placée. Si on arrive à la rejoindre, on pourra le faire. Oh là, ça fait loin! Pour l'instant, il faut qu'on sorte d'ici. Il a des bonnes idées, hein, Joseph. Traverser un métro comme ça qui pend, c'est vraiment une très bonne idée. Ok, donc là, faut tirer là-dedans. Salut Joker! Oh là 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 là! Vite, 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 vite! Non, c'est trop loin. Ah, attends. Je crois qu'il y a un autre moyen de descendre. Je te rejoins plus bas. Vas-y, Joseph, pas de soucis. Laisse-moi tout seul encore une fois. J'ai l'habitude, hein. J'ai l'habitude avec toi, hein. Bon, bah nous voilà tout seuls du coup. Allez, let's go. Salut, Orkendorf. Bordel. D'abord Kidman. J'entends un bruit. J'entends un bruit de hache. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a un truc. C'est quoi? Oh non! Je m'en doutais, putain, je m'en doutais. Il est pas mort. C'est une blague. C'est une putain de blague, il est encore vivant cet enfoiré. Mais non, c'est pas possible. Arrête. Oh la vache. Ok. Il me faut des balles de flingue en fait là. Le gardien is back. C'est cool. Non mais c'est bien, au moins on va s'amuser. N'est-ce pas? Alors. Ok, le mec il est parti dans les flammes quoi. Tout va bien. Tout va bien. Oh là 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 là. Ok, on peut se cacher dans les casiers. Ah, il y a des munitions là. Ok, il y a un zombie là. Est-ce qu'on le flingue? Est-ce qu'on le flingue?
Ça tombe, attendez, il va peut-être marcher dans son propre piège, ça serait énorme. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, il va. Attends, il va peut-être marcher dedans. Hein. Ça serait énorme. Est-ce qu'il va marcher dedans? Mais non! Mais le con! Mais qu'il est con! Mais qu'il est con! Ça m'arrange, hein, mais il est con! Eh, j'ai bien fait d'attendre, hein. T'as vu? C'est la technique Toshi, ça. Oh putain de merde. C'est Ruvik? Oh putain, je crois que c'est Ruvik! Oh, je crois que c'est Ruvik. Je me concentre, les gros. J'ai peur. Ok. Oh là là, putain, c'est un moment stressant là. Eh, ça commence direct quoi. Ah, je suis grillé là. Merde. Oh, fais chier. Te réveille pas, salopard. Allez, 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 allez. De retour pour te jouer un mauvais tour. Bon retour sans éveil, Sin Toshi. Hey hey. Merci Siraya, merci beaucoup. Merci de m'avoir fait peur une fois de plus. Merci, merci. C'est gentil, c'est gentil. Ok, bon, on a passé cette étape. C'est plutôt un grand pas vers la mort. Ou vers autre chose, je sais pas. Oh là, je sens mal là. Je l'entends là. Ok, je l'entends. Il est où? Il est où cet animal? Je vais le flinguer. Regardez, il y a sa tête là. Putain, il est juste là. Ok, laisse tomber. Donc je peux pas passer par là. Ok, il y a foutu des pièges partout. C'est enfoiros. Oh merde. C'est quoi ce bordel là? Je me suis fait griller? Déconne. Oh là là, je crois que je me suis. Oh putain, je crois que je me suis fait niquer là. Je crois que je vais me faire niquer. Oh la vache. C'est le moment de courir. Allez. C'est le moment. Hop. Oh non. Non. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Non, mais non. Ah merde. Est-ce que je vais survivre? Non, je suis mort. Ok, je suis mort. Ok. Et de une. Ok, non mais j'ai compris. Faut juste désarmer un piège à loup et désarmer l'acide. Très simple. Ok, maintenant. Go. À fond. Allez. Vite. C'est bon. Je passe. Oh putain. Yes. Oh. Putain, on l'a fait. C'est ultra simple, ouais. Vachement, ouais. C'est ultra simple, ouais. Ah. Ouh. Bah nickel. On l'a fait. Trax Zero Earth, bienvenue à toi Trax. Ok. Il y a encore ma souris là. Hop, c'est bon. Bon bah nickel. Let's go. Oh là. Je crois que je vais me faire défoncer là, non? Oh là, oh là là. Ça sent pas bon ça. Vite. Un croc. Qu'est-ce qui t'est arrivé toi mon pauvre? Putain.
Ok. Bon, je crois qu'on a... Je crois qu'on... C'est qui, ça? Vous n'avez toujours pas compris. T'es qui, mon pote? Les autres. Il aime montrer qu'il a toujours le dessus. Il a des appâts. Azer, bienvenue, Azer. Bienvenue, bienvenue. Il fait trébucher. C'est foutu piège. Quand ça m'est arrivé, j'ai vu clair dans son jeu. J'avais tout compris, mais je n'ai pas surnoncé. Je voulais savoir la vérité, et il la connaissait. Oh ! Merde ! Putain, merde ! Il y a des pièges. Ok. 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 Il y a quelqu'un là-bas. J'ai l'impression qu'il y a des pièges sur lui, regardez. Ça brille comme ça. Merde. Ah, fait chier. On va éteindre la lampe. Et on va avancer prudemment. Sauf que là, tu vois... Merde. Ah. Oh le con. Putain, c'était un zombie kamikaze. Putain, ils sont plusieurs. On se tire. Ok. Donc maintenant on a affaire à des zombies kamikazes. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Oh là, ici il doit y avoir des trucs là. Oh là là. Ah, je prends tout moi. Je suis un gourmand. Hein. Rien d'autre. Des munitions là. Non, c'est des allumettes. Ok. C'est bon. Joseph. Zozo. Jojo, est-ce que c'est toi? Oh putain, non, se tape là. Zozo, allez, allez, allez. Survie, survie, survie. Bien joué, Jojo. Ah, mais maintenant, c'est pour notre gueule aussi. Putain, c'est pour notre gueule. Encore toi. C'est pour notre gueule, les crozes. Oh, ça sent pas bon. Il y a du gel, là. Je prends. Hop. Ah. Ah ah! Je crois que je t'ai eu! Yes! Let's go, vite! Tout se passe très bien! Mais bordel! Encore. Attends, je joue là? Non. Écran noir. Bienvenue Bélial. Bienvenue, bienvenue. Oh les mecs. Eh hey, syndrome Resident Evil 7 là. T'ouvres des tiroirs, y'a rien dedans, tout va bien. Ok, parfait. Bon alors, par contre, là, je suis content. Eh, là, je suis content. Parce que, regardez. On a plus de 30 balles de flingue. Il faut que je trouve Kidman. Ok, trouvons Kidman. Bon, ce qu'on sait en tout cas, c'est que Joseph s'en est sorti a priori. Par contre, Kidman... C'est une autre histoire. Ah bah elle est là. Apparemment elle va bien. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle est avec Leslie. Qu'est-ce qu'elle fout encore? Ok, let's go. Jeanne au secours. Bienvenue Jeanne au secours. Bon c'est fini là avec le gardien j'espère. Déconne là. Attends, on l'a trop vu le gardien dans le jeu en fait. On l'a trop vu. C'est bon là, overdose. J'en peux plus. Fous-moi la paix, enfoiré.
Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Il y a des bulles. Leslie peut rentrer. Rentrer à la maison avec le train? Non, Leslie. Pas tout de suite. Tu... me protégeras? Mais oui, oh. C'est mon job. Bien, bien, bien. Quand je rentrerai, ils seront surpris. Oh oh, merde. La drogue, c'est mal. What? Tu n'y es pour rien. Désolé. Non. Bienvenue, Père Fouras. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce qu'il va devenir. Je sais. Je l'ai vu. Vous ne savez pas ce que veut vraiment Ruvik. Ben, dites-moi. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est Leslie qu'il veut. Quoi? Il doit finir son petit projet? Ce n'est pas une plaisanterie. J'ai une mission. Il ne doit pas s'emparer de lui. Leslie est le seul qui peut. Yes. Et bienvenue The Cat. The Cat Spa Jamas. Oh yeah, yeah. Bienvenue. Salut Sylvain. Bon, et eh ben écoutez, J'ai envie de dire chapitre suivant. Ah non, Zozo, tu restes en vie, hein, mon pote. Eh, on n'a pas vécu tout ça pour que tu crèves à la fin. Ok? Non, c'est un résistant, Zozo. Il va résister. Hein. C'est un résistant. Let's go. Direction le métro. Direction le métro. Un métro très vide. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des trucs, mais je peux pas y aller. Boum! Oh, il est trop relou, lui, avec ses bras, là. Il y en a trop. Boum! J'ai repeint les murs avec ta cervelle, enfoiré. Toi, je vais te cramer. Méchant flic. Mais c'est clair que Leslie, on la voit depuis le tout début, à mon avis, elle joue un rôle crucial. What the fuck? Attends, c'était quoi ça? C'était une tentacule ou j'ai rêvé? Est-ce que c'était une tentacule? J'ai pas rêvé là. C'était une putain de tentacule. Maury Plantin, bienvenue Maury Plantin. Ouais, Leslie est un mec. Non, mais ça, j'ai... on arrive à la fin du jeu, j'ai toujours pas compris que Leslie était un mec. Donc, c'est ça de me le répéter. ça rentre pas. Pour moi, Leslie, c'est une meuf. Ouais, c'est un kraken, non? C'est un truc du genre. Hein. Oh là là, je sens mal, là. Attends. Ça sent le tentaculaire, là. Bon, allez. Allons affronter ce putain de boss. Je sens qu'on va en chier. Qu'on y est là. Oh là là. Eh, te referme pas. Hein. Attention, te referme pas, saloperie. Hein. Oh putain, le flip. Eh, je passerai jamais entre ça, moi. Oh putain. Défonce-le!
Bienvenue Tito. Ok, c'est parti. On y est les creuses, boss. Bienvenue Twist. C'est parti. Ça commence bien. Ça commence super bien. Reprends ça. Merde, je peux pas. Allô, prix. Elle est là. C'est quoi ça? C'est une saloperie ça. Putain, il y a des vers maintenant. Oh putain. Hop. J'ai dit non. Wow. Stop. Il faut que je me crafte vite. Non, pas ça. Non, pas ça. Pas... Mais qu'est-ce que tu fous? R changer de carreau, voilà. Il faut que je me crafte ça donc. Ah oh, merde, je peux plus. Oh, il m'en reste deux. Je suis dans la merde. Je suis dans le caca. Elle est où? Merde. Oh putain. Je m'en sors bien ou pas là? Salut Cass. Est-ce que je m'en sors bien là? Oh, elle est là. Elle est là. Vite. Dégage! Salope! Oh! Ah, c'est bon ça! Putain, du premier coup! Je l'ai défoncé! Donne-moi ton gel, saloperie! Oh là là, c'est bon ça! Ça, c'est ce que j'appelle du talent! On va se soigner! Attendez, hein, je. Salut Mute Shine. Il a dit donc, putain, mais vous êtes nombreux ce soir. Hein. Vous êtes nombreux. Bon, on l'a eu. Alors, je tiens à dire que franchement, ce boss était vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Sympa. En plus, il nous a donné plein de munitions là, ouais. J'aime bien. Des boss comme ça, j'en veux plus souvent. Let's go. Ok. Bon, et bah du coup, j'ai niqué l'avant-dernier boss. Ah oui, c'était ma faute, ouais, je suis désolé les creuses, hein. J'avais pas fait gaffe, mais là c'est réglé, hein. Là c'est parfait, là on est bien, là. Game de folie, bienvenue Game de folie, pas mal le pseudo. Du coup, ouais, j'ai niqué l'avant, oh putain, encore une clé, oh ils me font plaisir là. On a 3 clés, parfait. Et on arrive enfin à ce putain de métro là. Eh, depuis le début on le voit le métro, hein. On y est enfin. Let's go. Oh la vache. You quoi? Tu vas? Je vais quoi? Défoncer le cul de Betty? C'est possible. Salut Zag, bienvenue Zag.
Blair Herkers. Souffrir. Mal. Tout ça pour ça. Putain. Eh. Une heure, plus d'une heure pour aller au métro. Hein? Pourquoi? Pour ça. Non, non, dites pas que je vais souffrir. Donc là, on est d'accord, on est au dernier boss. Hein. Ok. Bon, j'imagine que ça va être Uvik. Vous avez publié mes recherches sous votre nom. Vous pensiez pouvoir me le cacher. C'est un service que je te rends. Des munitions. Tu n'as pas de référence. C'est ta seule chance d'être publié dans un journal réputé. Personne n'est même au courant que tu existes. Oh, on me connaîtra. Vous savez très bien que je vous surpasse sur tous les points. Peu importe, j'ai ce qu'il me faut. Il ne manque que la procédure. Exact. C'est pour ça que nous sommes là. Nous. Vous n'oseriez pas. Vous ne pourrez pas terminer sans moi. Précisément. Oh là, il y a du monde là. Non, si on verra. Uvik. Défends-toi, Uvik. Merde. Oh merde. Tu veux peut-être que j'ai pitié de toi ? Oh non, pas encore. Pas encore. Non, pas encore. Oh non. C'est relou ça. C'est relou ça. Ah merde, 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 merde. Munition. Débranchez, débranchez, débranchez. On débranche, on débranche. On débranche. Mais va te faire. Bon, tu tombes ou? Mais tombe. Il tombe pas, cet enculé. Et tombe. Oh putain, tu vas tomber, hein. Eh, tu vas tomber, mon pote, hein. Tu vas. Putain, c'est pas possible. Tombe. Oh putain, il commence à me casser les couilles. Voilà. Oh, alors lui. Chapitre 14 terminé, on sauvegarde. Nickel. Ok. Ça risque d'être fort intéressant ce dernier chapitre. J'espère qu'on aura des réponses, putain. C'est la moindre des choses, hein. D'ailleurs, Joseph s'est pris une balle, mais on n'a pas de nouvelles. Attends, mais c'est vrai ça, putain, Joseph s'est pris une balle et on n'a pas de nouvelles. Jojo, j'espère que t'as survécu, hein, mon pote. Alors attendez, on va recharger toutes les... On va recharger toutes les armes. Au moins, ça sera fait. Voilà, et c'est bon. Petite seringue. Et let's go.
Et on a 3 clés les Crows. Ça c'est bon ça. Et on a aussi beaucoup de gel. Donc on va en profiter un max. Hein. Mais il y a personne. Inspecteur Phi, savez-vous pourquoi on vous a arrêté, inspecteur Castellanos? Parce que vous êtes des incapables. Vous êtes livré à une enquête non autorisée, vous avez utilisé les ressources du Kenana. Pire, vous avez menacé et intimidé certaines personnes. On nous a même signalé des violences physiques. Si vous aviez la moindre preuve de ce que vous avancez, vous auriez déjà pris mon insigne et mon arme. Effectivement, vous avez pris beaucoup de précautions. Mais on vous a à l'œil. Vous n'êtes pas les seuls. Qu'est-ce que vous me sentez là? Continuez à me filer le train, vous le saurez bien assez tôt. Si vous continuez à vous imbiber du soir au matin, ce ne sera pas nécessaire. J'ai du boulot, vous avez terminé. Pour le moment, mais vous êtes... Castellanos, au moindre faux pas, vous plongez. Monsieur Wombat, bienvenue Monsieur Wombat. Je plongerai quand ce sera terminé. L'inspecteur Castellanos quitte la salle d'interrogatoire. D'accord. Allez. Oh putain. Ruvik ? Non. Leslie ! Leslie ! Perds la tête. Leslie ! Perds la tête. Perds la tête. Perds la tête. Putain, mais elle a une tête de meuf. Enfin, il a une tête de meuf, c'est incroyable. Il a vraiment une tête de meuf, quoi. Bon, Leslie, mon pote. Ça a pas été très facile entre nous depuis le début du jeu, hein, je suis d'accord. J'ai vraiment hâte de voir la fin. Vraiment, j'ai envie d'avoir des réponses là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Boum! Des pompes à eau. Ok, où est-ce que tu m'emmènes? Alors déjà là, je sais pas du tout où on se trouve. Un espèce de laboratoire souterrain bizarre là. Hein? On va continuer. Très bien. Il y a des longs couloirs là. Par ici. Ah merde, je suis épuisé, putain. Eh, il lui en faut pas beaucoup à Castellanos. Putain la vache. On va pas tarder à s'effondrer. Par ici. Ça marche, démon. Merci. Lâche-les! Oh putain. Sébastien, il est toujours assommé dans... Chaque fois, on le voit se réveiller après... Après s'être pris un coup, c'est marrant. Salut, seconde chance. Oh putain, nous revoilà... Oh là là. Joseph avait vu juste... Bienvenue, seconde chance, bienvenue, merci. Oh putain la vache, on revient au point de départ. On revient à la source. On revient à la putain de source du début du jeu, les Crows. L'hôpital. Le fucking hôpital psychiatrique. Et là, ça va être intéressant, je crois. Excellent. Oh là là, c'est le début du jeu. C'est le début du jeu. Excellent! Je le savais. Excellent! Alors, ça, je m'y attendais pas, tu vois. De revenir au point de départ, je m'y attendais pas du tout. C'est cool! Boum! Alors, la grande question, c'est est-ce que le boss final sera Ruvik? Ou pas.
Bah après, on est qu'au début du chapitre. Je pense pas que le boss arrivera tout de suite, mais je me pose déjà la question. Mais là, je sais même pas où on va, tu vois. Je sais vraiment pas où on va. On descend. Ah, j'entends le doc. Chaque morceau de chair arraché à mes os, jusqu'à ce que les ténèbres absolues s'emparent de moi. Ténèbres et douleurs. Des milliers d'autres sensations, tandis qu'ils sondaient mon cortex. Étudiaient mon œuvre. Une éternité d'intensité. Douleur. C'est le doc qui parle là, non ? Ou Ruvik ? Rage. Extase. Hop là ! Oh putain, excellent, reviens ici ! Oh. Eh, la nostalgie opère vraiment là, regardez. C'est là où on glisse comme ça et on arrive là-dedans. On avait acheté le beau costume de Sébastien. Oh là là, et là on boitait, je me souviens qu'ici on boitait, je crois. C'est excellent ! Ah ouais, non mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah oui, sauf que nous on était passé par là. Attendez. On était, il y avait une échelle ici. Ouais. Il y avait une échelle, mais l'échelle a disparu. Nous on était passé par en haut là, je me souviens. OK, donc là on va passer par ici. Ça me va mon pote. Let's go. Ah ouais. Il y a beaucoup de portes, hein. Putain. Je veux rentrer. Leslie ? Je veux pas aller là. Non. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai 54 balles de flingue. Je crois qu'on a jamais eu autant de balles. L'ascenseur. Ok. Qui dit beaucoup de balles dit mauvaise nouvelle. En général, c'est vrai, Kaishu. En général, quand on a beaucoup de balles, c'est qu'il va se passer un truc assez chaud juste après. Putain, c'est magnifique! Bonne nuit, Queen Crow. Ok. Va falloir grimper. Bon, toujours pas de réponse dans ce chapitre 15. Dessus, après ce jeu, tu vas voir détester les ascenseurs. Bah, je suis déjà pas fan des ascenseurs à la base. Donc, Oh putain, il y a encore un truc là. Oh là là, la vache. Ah non, mais non, bah, j'en ai pas besoin, j'ai plus de gel. J'ai plus de gel. Alors, par contre, c'est la première fois dans le jeu où on utilise cet outil sans plonger dans le monde de Betty. Et ça, c'est intéressant.
C'est la dernière chest aussi, ouais bah. Je m'en doute un peu, ouais. On va allumer la petite lampe. Putain d'enfoiré. Oh là là. C'est pas rassurant ça. Ah je peux pas. Merde. Je peux pas prendre l'ascenseur. Faites attention à son œil. Quoi ? Évitez l'œil de Rubik si vous voulez vivre. Faites attention à son œil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça faut noter ça. Ça faut noter. Eh bienvenue Eylul Massalim, bienvenue à toi. Bon ok, on a appris un truc sur Rubik donc. Le pauvre. Qu'il repose en paix. Il faut donc éviter son œil. Très bien. On va le brûler lui, j'aime pas. Let's go. Le mec il me donne une info et je l'aime pas. Incompréhensible. Faut bien que mes allumettes me servent à quelque chose. Ah, on revoit la scène du début avec les trois flics. Là, mais oui, là, putain, c'est ça. Allez, bats-toi, putain. Yes. Yes, yes, yes. Merde, son œil. Mais non, putain, son œil. What? What? Oh putain, la vache. Boss final. Aïe, aïe, aïe. Wow. Wow, 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 wow. Ok. Ok. Alors, premièrement, est-ce qu'il faut tirer dans les yeux ? Pas l'impression. Bâtard ! Putain, mais ils arrivent. Eh hey, on est dans la merde. On est dans la merde. Oh là 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 là. Oh putain, ça va être chaud là. Coucou toi. What? What? Ok, on les crame. On les crame, on les crame, on les crame. On les crame tous. Qu'est-ce que je dois faire, putain? Qu'est-ce que je dois... Ok, le voilà. Le voilà, le voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Tu vas prendre cher, mon pote.
Attendez. Hop. Alors, ça te plaît ? Ça te plaît ou pas ? Je me concentre les crozins, désolé si je parle pas beaucoup, mais là, je peux pas parler en même temps. Et en même temps jouer en ce moment quoi. T'es où enfoiré ? Il est où ? Je vois rien. Je sais pas où il est. Putain, il est où ? Ah là-bas, ok. Ok. Oh là là, putain, je suis une merde de sniper. Putain, c'est chaud. Bienvenue Axel. Oh. Oh merde. Oh merde. Oh putain. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh la souffrance, les crosses, je souffre. Je souffre. Oh là, non mais c'est hardcore là. Je l'ai eu. Putain, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Tac, tac, tac. C'est pas tout là quand même. Non, faut que j'aille à la porte là-bas, ok. Première étape, passez les crozes. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Oh merde. Non, 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 crap, crap, crap. Yes. Ok. Mizuam, bienvenue Mizuam. Je suis chaud là. Wouh. Putain, le saut qu'il a fait. Saut de 10 mètres. Tout va bien. Ok, qu'est-ce qui nous attend ici? C'est des bombes ça? Oh putain, c'est des bombes. Ça sent mauvais hein. Et attendez les crozes, si je meurs là, est-ce que je dois tout refaire depuis le début? Me dites pas couille. Me dites pas couille. Oh là, ça sent tellement mauvais là.
Oh, il y en a deux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a deux, putain. Comment on fait pour les tuer? Est-ce qu'il faut les tuer, genre les tuer ou... Bon. Easy boy. Yes. C'est pas beau ça? Eh, easy là. Easy. Yes. Par contre, faut que je fasse gaffe à ça. Voilà. Ça, c'est le plus important. C'est ce qui fait le plus de dégâts. De quoi, sérieux Tushi? On dirait que mon talent vous impressionne, les Cruz. Non, c'était hyper simple, là, franchement, les deux, là. J'ai rien fait. Ils ont même pas touché. Ruvik. J'ai créé ce... C'est simple, hein. Je n'en suis pas prisonnier. C'était très simple, les deux, là. Les deux gardiens. Bienvenue, Free... Oh, putain. Nice. Eh ben putain. Bienvenue Switch 2. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue tout le monde. Oh putain, je crois qu'on peut... Oh attends, y'a pas une chaise là? Ah, on peut sauvegarder. On sauvegarde. Merde, y'a pas de chaise, j'ai ramassé pas mal de gel là. Non mais honnêtement les Crows, vous avez l'air impressionné des deux gardiens. Mais franchement, limite c'était le plus simple de tous les boss confondus. C'était tout con. Ça a duré 2 secondes. Honnêtement. Ah non, il y avait 0 difficulté. Allez. Ah, je sens qu'on s'approche de la fin. Bah, en fait, là, on sait pas où est Joseph, on sait pas où est Leslie, on sait pas où est Kinman, on sait rien. Ouah, c'est beau. Si je m'en sors vivant, plus jamais je monte dans un ascenseur. C'est pas mal ce qu'il a dit là. Ah oui, vous aviez peu de munitions, ok. Ah, ça y est, on y est. Oh là là, ça sent tellement le boss final là. Oh oui. Oh oui. On se prépare. Mais c'est moi. What? Au secours. Au secours. What the fuck? C'était nous. Sébastien, éloignez-vous de lui. Sébastien, écoutez-moi. Arrêtez. Vous avez les mêmes intérêts que nous. Ça va, j'ai bien compris. Vous n'êtes pas qu'une nouvelle recrue et lui n'est pas qu'un garçon ordinaire. Vous avez tué Joseph et tiré sur moi.
Donc à ce stade, j'ai de très bonnes raisons de ne pas vous faire confiance. Vous êtes un type bien. C'est pour ça que... ça n'a plus d'importance. Si vous avez tout compris, comme vous semblez le croire, vous savez pourquoi je ne peux pas le laisser vivre. Connerie. C'est Ruvik. C'est lui qui a... On y est. Leslie, non. Let's go les crosses, c'est parti. Bon, on va recommencer. C'est parti. C'est parti les crosses. L'AMG. On va prendre l'AMG. Mais non. Holy fucking shit. Wow. Oh putain, c'est énorme. C'est énorme. Là c'est, là, c'est énorme. Woohoo. Yes. Yes we can. Bordel! Mais c'est quoi?
On est devenu Superman. Allez. Je le see you avec le bazooka. Je vais le see you. Bye bye, motherfucker. Oh. What? Un missile. Un missile. Non, tu déconnes. Un missile. Un tir parfait. Wow. Merde. Là. Ah, ça m'énerve. Putain, ça m'énerve. Ah, on va la voir. Oh. Out. Putain de merde. Me dis pas qu'on était dans une baignoire depuis le début. C'est une blague. Non, je peux pas le croire. Je peux pas le croire. J'y crois pas. On était dans une putain de baignoire bon marché depuis le début. Arrête. J'ai créé ce monde. Je n'en suis pas prisonnier. Ruvik. Donc là, on est dans la réalité, pour la première fois. Il est temps d'en finir. Truc de dingue, quoi. Bienvenue, Julo. Du 150, bienvenue. Allez, écrase-le. Et on aura fini le jeu à 23h pile. Si ça... Regardez celui-là. Si ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas synchro, surtout. Alors... Laissez-le. Cela aussi. Ils n'iront nulle part. Nous non plus. Ouais. Mais encore. On se réveille encore. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le docteur, ok. Whiter Leslie. Oui, sœur Leslie. Et là, on va sortir de l'hôpital et toute la ville sera normale. J'en suis sûr. Attendez. Thank you.
Ah, regardez, regardez. Il va ouvrir la porte et la ville aura aucun dégât. Go, go, go! Inspecteur, vous allez bien? Il y a des survivants? Et Joseph, il est où? Tenez-moi. Seulement un petit peu d'air frais. Bienvenue, bienvenue Mariac. C'est Leslie ? C'est Leslie. De quoi Joseph est mort ? Mais non, Joseph est pas mort, arrête ! Regardez, la ville est totalement normale. Tout ça, c'était dans sa tête. Aïe. Je vais nous mettre comme ça. Je vais regarder le générique s'il n'y a pas une scène après générique. Je pense pas. Je vais regarder. S'il y en a une, je remettrai le jeu en écran. Bah écoutez les Crows, Plume Princesse, bienvenue Plume Princesse. Et ben déjà de une, j'ai réussi à finir ce putain de jeu. Et ça, c'est déjà un applaudissement. Ça on applaudit. Non, plus sérieusement, j'ai lu donc dans le chat pour la fin, donc en fait Ruvik était dans le corps de Leslie. À la fin, on voit Leslie partir. On voit Leslie partir en marchant normalement. Et donc vous me dites que c'est Ruvik qui a pris possession de son corps, et donc voilà, il est dans la réalité maintenant. Tout ce que je veux, c'est faire le 2, putain, maintenant. Ah, oh, j'ai trop envie de jouer au 2, les Crows. C'est un truc de dingue. J'ai juste hâte que le 2 sorte. Mais vraiment. Mais j'ai une hype monstrueuse. Alors, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Je pense que vous le connaissez déjà de toute façon. C'est vraiment, vraiment, vraiment un très bon jeu. Chapeau. Franchement, non. Bien, très bien. À part l'histoire, mais je pense que l'histoire, tu vois, c'est complexe. Je pense qu'en se renseignant sur internet, il y a moyen de trouver des choses cachées. Enfin, je sais pas, mais ça a l'air très complexe. Dans tous les cas, je sais plus qui. Vous m'avez dit, il y en a même plusieurs d'entre vous, je crois. Vous allez m'écrire un gros pavé pour m'expliquer la fin. Donc j'attends vos pavés, les Crows, avec impatience. Vous pouvez me les envoyer sur Discord. Encore une fois, je le dis, Discord, très important. J'y suis H24 tous les jours. Il y a un salon FAQ. Vous pouvez me poser toutes vos questions. Il y a un salon fanart où vous pouvez me faire des fanart. Il y a un salon fanfiction où vous pouvez écrire des fanfictions ensemble. Il y a un salon live. Enfin voilà, il y a plein de trucs vraiment cool. Donc rejoignez le Discord. On pourra parler de la fin de The Evil Within ensemble ce soir par exemple. Voilà, tu vois. On pourra parler ensemble de la fin de The Evil Within sur Discord. Bienvenue Thomas. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai hâte de voir le 2. Je le ferai à coup sûr en let's play. Hein. Alors oui, pour les DLC, très important, je ferai le DLC où on incarne Kidman. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est The Assignment, mais je suis pas sûr. Il y a un DLC de The Evil Within où tu incarnes la femme là, Kidman, je vais le faire, j'ai juste à le prendre et je le ferai en live. Voilà, après je connais pas les autres DLC donc je sais pas trop. Il y en a deux, oui, il y a deux DLC, mais je sais pas l'autre ce que c'est en fait. Je sais pas. The Experiment et The Assignment, c'est ça. Et les deux sont cool. Les deux sont cool. Vous me certifiez. Si les deux sont bien, on fera les deux en live, les Crows. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soucis.
Sinon, voilà. Il y en a 3, dont 2 avec Kidman. D'accord. Bah, je les ferai à coup sûr, hein, les Crosses. Je les ferai. Comme ça, ça nous fera un peu de The Evil Within en plus en attendant le 2. Ok. Bah, nickel. Bah, écoutez, Crosses. Aussi, le DLC de Little Nightmares, je l'ai acheté, je l'ai téléchargé. J'ai plus qu'à le faire en live. Donc, on va se faire ça très vite. Je vous tiens au courant sur Discord, sur Twitter, sur Facebook. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, très bon. Hein. Très bon jeu. Très, 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 très bon jeu. Je vous laisse là. Portez-vous bien. Passez une très bonne nuit. À très vite. Des bisous. Ciao, ciao.